Ella Diouf revient au Bénin à notre invitation pour une visite de courtoisie et de travail. Courtoisie, amitié pour le peuple béninois, pour ce qui se fait ici et pour lequel nous avons, comme je l'ai souvent dit, décidé d'associer, d'impliquer toutes les légendes africaines qui pourraient nous accompagner. Et puis travail parce que nous n'avons pas manqué l'occasion de lui présenter le programme qui est en cours au Bénin, sur lequel nous demandons, dans la mesure du possible, son accompagnement, son implication, comme nous l'avons fait avec d'autres légendes africaines, d'autres institutions, d'autres organismes. Et là, je m'a dit qu'il se sent bien au Bénin, il se sent ici comme chez lui. Et vous savez bien que j'ai toujours dit que quand je jouais au football, j'étais un Africain. Je ne jouais pas seulement pour le Sénégal, parce que je savais que tout l'Afrique était derrière moi. Et c'est pour ça qu'on a pu faire une jolie carrière comme on l'a fait. Et l'accueil ici a été très chaleureux. Et c'est toujours un plaisir pour moi de venir ici. C'est que j'ai toujours. Je le dis toujours, j'ai jamais eu la chance de venir jouer contre le Bénin ici, mais c'est toujours un plaisir de revenir et de voir les gens, comment je les ai rendus heureux quand je joue au football. Il n'y a que ça qui est important. Et venir aussi remercier mon frère, mon ami, monsieur le ministre. Je vous remercie déjà les journalistes d'être là si nombreux. Ça se voit que vous êtes des amoureux du sport et d'accompagner Son Excellence, Monsieur le Ministre. C'est un plaisir d'être toujours ici. Vous avez un beau pays. Et je le dis et je le redis. Un président de la République, un ministre des Sports, un président de fédération, à eux tout seuls, ils ne peuvent rien faire. Vous devez les accompagner et inciter la jeunesse à les accompagner. Parce que, croyez-moi, vous avez des talentueux joueurs qui sont dehors et qui sont ici aussi, en train de jouer. Et si ils ont l'accompagnement qu'il faut, vous allez avoir des Sadio Mané, des Samuel Eto'o, des Elhadj Diouf et des Didier Drogba. De remercier Eladj pour tout ce qu'il nous apporte et vraiment de vous dire que la marche que nous avons entamée, nous la continuons pour le bonheur de notre pays. Nous avons une chance, le président de la République lui-même est un passionné de sport et cela nous permet, comme vous le voyez, de continuer à travailler, à déployer des moyens au profit de nos différentes disciplines et surtout dans le football. La bonne collaboration que nous avons avec la fédération, vous voyez bien que ça porte des fruits. Je voudrais également que vous soyez nos porte-parole, comme vous avez toujours eu à le faire, pour continuer à dire que le Bénin a fait l'option de l'organisation, le Bénin a fait l'option de la planification, le Bénin a fait l'option de se révéler à travers le sport aussi.